Maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. Bah d'accord. Bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an old shop on the west end of Villador, on Hounfield Lane. Okay. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it, and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's one more thing. On parle de vraie farine, là, ou... Hans might also have a bottle of this water. I thought you weren't selling it. I'm not, except... Well, to Hans, and... Can you go warn him? Ah, he's also on Hanfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Hans? Bois pas l'eau, Hans. Hans, you there? Pas que tu boives l'eau. Je sais pas si je gâche des trucs là, mais j'aurais peut-être attendre d'être midlife quand même. En même temps, j'ai les bonus quand je suis midlife, quoi. Quand je suis full vie, je veux dire, justement. J'ai l'impression que malheureusement, il a déjà bu l'eau. Hans ? Oula ! Oh, il y a une... Bizarre chez lui, quand même. Ok. Personne, en fait. Oh non. Oh non, non. Bois pas l'eau, bois pas l'eau. Don't drink that water. Water? This isn't water. Oh, that moron must have taken the wrong bottle again. Forget his own head if it weren't stuck on his shoulders. Hey, what did you mean by the wrong bottle? He always takes a little rocket fuel with him when he goes hunting. But the booze is right here. That means he's got water. Oh merde. Where is he? And what business is that of yours? Bah, je lui suis allé, en fait. Julian. It might be contaminated. He's hunting at this the military tower a few hundred meters west of here. Unless he's at the courts. I'll go to the tower. You check the courts fast. Wait. Wait. Take the booze with you in case he's already drunk some of the water. I bet what's in this bottle will kill whatever's in that one. OK, à l'ouest d'ici, tour militaire. Bah, à l'ouest par rapport à où en sortant? Y'a du loot partout! Madame? Madame? Les gens sont très rapides en tout cas. Alors est-ce que c'est à l'ouest par ici? Non, ok. Donc c'est à ma droite. Et une tour militaire, ça devrait pas être compliqué à trouver. Venez les gars! Venez les gars! Ouais, vas-y. Ta garde, garçon, ta garde. Merde, j'ai raté. Fuck. Non, j'ai réussi par contre. Fais attention. Perdu l'est. Oh, c'est stylé. Salut mec. Ok. Il a même fait Gérard Majax quoi. Il passait à travers le truc. Ok. Oui, il y a un moulin là. Ah oh, ouais, non, c'est vraiment trop bien les combats. Hein. Ah. Juste envie de faire que ça quoi. Ça me rappelle Uncharted. Uncharted 4. Ouais, je tentais le fufu mais je ratais. Mais en fait, les combats étaient tellement satisfaisants que... Bah, au bout d'un moment, j'étais en mode, vas-y, je cherche même plus à faire fufu quoi. Ah, mais c'est le moulin que je peux pas faire ça. Ouais. Faut 160. Après, est-ce qu'on peut le cheese ou pas? Après, 160, il y a quand même... Oh, waouh. Il y a quand même un grand écart, quoi. Donc, je ne pense pas... Merde! Non. Putain. Bah, faut vraiment que je fasse gaffe, quoi. Vraiment que je fasse gaffe à mon parcours. Hop. Parce que là, je suis à combien, moi? Ouais, je suis à 100 quoi. Ouais, non là c'est même plus du cheese là. C'est même plus du cheese, on doit pas être loin. Oh,
Il y a du loot là. Je sais que le pauvre homme est potentiellement en train de mourir, mais... on va dire que c'est pas scripté. Que c'est pas Kingdom Come et que les gens peuvent pas mourir. Même s'ils peuvent... Hop. Oh. Gant de caporal. Ok. Pas vraiment de tour là. Ok. On serait par ici là. Hop. Hop. Ok. Ah, j'ai la tour. Hop. Bois pas l'eau, bois pas l'eau. Arrêtez de boire l'eau, arrêtez de boire l'eau. Hans. You old fool. Hans. Faut pas boire, faut pas boire. Hans. Are you Hans? What do you want? Did you drink any of that water? Goddamn right I did. Tasted like piss. Tu m'étonnes. Elle était empoisonnée. Oh, shit. That may have been poison, Hans. One sip. Then I spat the shit right out. Must have mixed up the bottles again. Oui, après, s'il l'a pas bu, c'est bon. Whatever. Whatever. Are you usually this calm about being poisoned? Who gives a shit? Not my wife, I bet. Don't think she loves me anymore. Bah, au contraire. Elle a donné cet alcool pour que tu puisses te désinfecter la bouche. It's your booze. Take it. Your wife said chug. Drink it already. Bullshit. What? My wife said that. My Anna. Oui. She thinks the alcohol's strong enough to burn the poison out of your system. Ha! My woman. So she loves me after all, despite her bitch. La petite musique derrière. And they say romance is dead. Here, for making my day, and maybe saving my life. Look, you need any help getting back? Nah, I'm good. Me and this bottle of booze still got some work to do. En même temps, bon. Hein. C'est la fin du monde, quoi, donc... Oh, bien plus qu'une petite engueulade pour un... Oh, du cuir. Ah. Ah oui, il y a une sale ambiance, là. À mon avis, là, c'est hors map, hein. Oui. De toute façon, ça donne pas envie d'y aller, hein. Ça te dérange, Hans, si je regarde si t'as des trucs dans ton sac. Ok. Du coup, maintenant, direction... Où j'ai... Oh, wow, 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 ok. Direction le restaurant jamaïcain, là. Où il y a... Celui-là qui a empoisonné l'eau. Oh merde, ils sont tous trop costauds en fait. Ah, bon ça c'est... Ouais, ils sont pas bien centrés, c'est un peu bugué. Hein. On va pas se mentir. Il va voir en bas si j'y suis. Faut bien qu'on trouve des défauts au jeu. Hein. Ouh la vache, c'est grand. Ah merde, elle est pas morte du coup, elle était en... Tu peux grimper ou pas? Non? Bon, je descends pas, hein. Alors, restaurant jamaïcain, c'était un peu plus à gauche, un petit indice sonore. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est quand y a, on déclenche des trucs. Du coup, ça va se mettre tout le temps, en fait, parce que ce qu'on a découvert s'enlève, quoi. C'est des trucs temporaires, quoi, les rencontres et les trucs. Ok, c'est compris. Oh, merde. Putain, ils sont partout, eux, hein. Allez, ben venez, mes fifilles. Il a tellement frappé fort que ça l'a fait tomber du coup quand je l'ai contré. Ok, lui il est réglé. Il y a des gens qui sont quand même moins entraînés quoi. Ok. Ah, il fait du 43. Oh, c'est si sanglant putain. Vraiment un hommage aux gamers allemands qui vont ne pas pouvoir profiter de ça, car le jeu sera censuré. Hop, fouiller ça, ramasser ça. Ouais, donc ces zones-là sont pas forcément safe, quoi. Faut pas se laisser avoir, quoi. Par contre, une fois qu'on y est, c'est vraiment Noël, quoi. Ok. Nickel. Okay. Everyone, this is Sarah. Oh, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah.
C'est celle qui nous parlait ou... Hi, Sarah. Hi, Sarah. Sarah has a story to share with us. Sarah, please begin. Then... Oh non. When I got here, in 2024, I was young. All my short life, I'd lived in this little town. But eventually, like everyone else, I had to flee. And I... we heard the Villador was still taking people in, so we walked for 40 days and 40 nights. Then we got here. On sait quoi qu'ils ont pas mis de sous-titres pour les trucs secondaires? They had just closed the gates. So we camped outside the walls like thousands of other people. Infected swarmed us. We fought them off with rocks during the day. At night, des rochers. Ah oui. They got more dangerous. Enfin, des cailloux plutôt. Sometimes a sniper on the walls would have mercy and help. Eventually some guy showed up. Told us he'd smuggle us in through the sewers. As soon as we got past the wall, he disappeared with all our stuff. Then a patrol caught us. Packed us in a truck. Laughing that they were taking us to the mosh pit. That's what they called the refugee camp at the stadium. Ah, yeah, slept on pallet beds. Everyone fit for work dug latrines and graves. One meal a day. No blankets. We were sick for almost a month. Then Jake got jaundice. Don't know where they buried him. Just me and a 3-year-old son. One night, power went out in the entire stadium. Black as the grave. There were 15,000 people there, without UV light. Panic broke out. I took Ben and started to run. We fought through the crowd. And then I heard noises, like fireworks. People started to point at something. I looked and saw some buildings spewing this yellow cloud. And these things flying over the city like giant bees. Black Monday. January 6th, 2025. They started dropping chemical bombs, yellow dust everywhere. Oh, 15,000 personnes, du coup. The whole camp started to run. I got knocked to the ground, and I lost track of Ben. I was screaming his name, but the crowd was so thick. I remember people pushing me into the street. I remember the smell of fear filling the air. The sky covered in a yellow haze. I blacked out. I woke up at dusk, alone, on an empty roof, between mangled bodies. I heard the infected feeding on corpses. Oh. I thought I would never see my son Ben again. I C'était lui qui était en train de bouffer, non? For a week, looking for the body of my 3-year-old son. Then, somebody told me the local priest was keeping a list of people who were missing and had been found. Carl. Turned out that Ben had been found by a couple in the stadium crowd when we were pushed into the street. Jure. It's okay, hon. Let it out. When I found him, I thought I would die from joy. We had survived. That's what mattered. We survived. C'est beau. Très belle histoire, madame. J'avoue, comme je disais, durant le prologue, en mode, si ça arrive, moi je tenterai... voilà, on tente la survie. Mais ça me mettrait tellement le seum de lever les yeux au ciel et de voir justement que le gouvernement nous met des produits pour nous tuer, quoi. Et je suis en mode, ah ok, bon bah tant pis. Clairement, ça mettrait un seum fou. Ou alors vous pensez qu'il y a des survivants... Enfin, vous vous dirigez vers les autorités en mode, hey, je suis vivant. Et ils ont des consignes de tirer à vue. Ça aussi, hein. C'est pas... Ok, l'objectif est là. Faut juste que je trouve comment rentrer. Peut-être par ici. Hop. Ok. Oh, c'est sympa les petites histoires, en vrai, c'est stylé. Mais c'est cool, du coup, la journée, il y a quand même pas mal... Enfin, du coup, bah, c'est là où sont les... Où sortent les gens. Je pense pas qu'il y aura des gens la nuit. À part dans les petits campements comme on a trouvé, là.
Ça sera intéressant d'ailleurs à Red, ça. Quand je serai un petit peu plus stuffé et tout. On ira leur casser la figure. Ok. Hop. Donc là, on va voir Marco, qui a Paul Vélo, du coup. Ok. Au moins, on a sauvé Hans. Ça, déjà, c'est cool. Je peux descendre encore plus bas. Monsieur, bonjour. C'est vous, Marco? On a déjà, je regardais. Je regarde si vous avez de la bière. Que dalle. Great. Another water thief. Just what I need. Between thieves and infected, I'll be out of business soon. De quoi tu parles? What are you talking about? You came to rob me, didn't you? I'm here because a guy named Julian claims you sold him poisoned water. I didn't poison anything. All right? Julian claims otherwise. Sure. Listen to the guy who sold me flour mixed with plaster. If you're not the thief, how are you with infected? I need to get rid of those things down there. If not, I'm done here. Poison water or not. Okay, I'll get rid of the infected, and you tell me what happened. Deal? Sure. Deal. Okay. Sans beaucoup? Ah bon, on peut... Oh, attendez, mais je vois la porte de dehors, en fait. On va faire ça dehors, hein. Je vais pas aller me foutre dans des recoins bizarres pendant que je me bloque le pied dans le seul trou qu'il y a dans le sol. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire de dehors? Parce que je vois qu'il y a un truc qui bloque la porte là, mais si j'enlève le corps. On va essayer. On va essayer de faire ça de dehors. Sinon, je redescendrai. Tout simplement. Hop. Ok. Bon, on peut sortir par là, de toute façon. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, je vais éviter de me casser la figure. Hop. Ah ouais, non. D'accord. On ne peut pas. C'est dommage. Ça, oui, ça casse... Ah, ça casse le réalisme là, parce que là j'enlève le corps de dehors en fait. Bon après évidemment ça serait trop simple, parce que du coup on pourrait les combattre dehors, etc. Je comprends. Mais, ça serait plus logique. Ok. Ouais parce que là... Oula, le timing quand j'ai éteint. Il me voit là? Je vous vois. Ok. Bon, c'est confirmé hein, pour la lumière. Hein. Ah, mais là, du coup, comment je... Ah, j'ai plus de... J'ai plus de couteau de lancer. Alors, attendez. Pause. Pousse. Pousse. Hop. Faire ça. Ok. Ça, on peut fabriquer. Je pense que ça sert qu'à ça, de toute façon, les trucs et tout. J'espère. Oh putain. Oh la vache. Ok. Wow. Ok. Wow, ils sont excités eux hein. Oh j'ai envie. Est-ce qu'on peut les cheese ici là? Ok. Ok. Ok, c'est bon, les énervés sont morts. Ouh. Oh, j'adore. Voilà, vache. Ouais, faut focus les exciter en premier, quoi. Vache. C'est comme les archers sur Skyrim, quoi. Ok. Ou les mages. Ok. Hop. Oh merde.
Ah oui, une bouteille pour désorienter. Ok. Faites de mon pensée de la surface. Écoutez. Prends-moi mon petit Marco. Que je vais tout piller, hein. J'en ai rien à foutre. Ok. Ah, c'est une bouteille. Ouais, c'est une bouteille, c'est pas intéressant. Oh, par contre, le cocktail Molotov, là. Ah, des briques. Ok. Oh, par contre, oh, camomille, cocktail Molotov. Ok. Booster d'immunité. On s'est mis bien, là. On s'est mis sacrément bien, là. Mais là, je peux enlever le corps. Après, c'est vrai que c'est moins risqué pour pas qu'il y en ait d'autres qui rentrent, quoi. Ok, you're safe. Now, what's the story with the water? Wait. Et remets le courant déjà. Qu'on se voit un peu mieux là. So you really are one of those fucked up pilgrims. Fucked up. Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way, of course. So, what about the water? There ain't nothing wrong with my water. A man at the bazaar was poisoned. And you'll be blamed if he dies. Damn it. Okay. It was an accident. Okay? An accident. Hmm. It's because of these goddamn thieves. Thieves? They're always stealing my water. I can't take it anymore. So, I decided to set the trap. So, you deliberately poison the water to kill the bandits? Not quite. At least, I didn't mean to. A while ago, I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub. The whole tub fucking ruined. Then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. Mais bah attendez, vous êtes complètement con, quoi. I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. Oui, mais attends, parce que... Il y a une différence entre se faire voler et poser des bouteilles empoisonnées à la vue de tous, donc en mode, bah servez-vous, c'est ok. Non, ça marche pas comme ça en fait. Et Julian, du coup, on s'en fout. Don't blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to weasel out of it. And if not, then that's one weasel less in the world. So, we got a deal? Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est... En fait, tu laisses des bouteilles d'eau, évidemment que les gens vont les prendre, en fait. Parce qu'ils se disent, bah c'est à personne. Donc ça aurait pu tomber sur des n'importe qui, en fait. Des enfants, des familles et tout. Non, frérot, ça marche pas comme ça avec moi. Just be honest and tell your story to the bazaar. It was an accident. You nuts! No one would buy even a drop of water for me ever again. Mais de toute façon, ta cuve, elle est pourrie. I won't let Julian hang for something he didn't do. Fuck Julian! I got my own skin to save. So that's a story you ain't going to tell. Ah putain mais... Les gens n'ont pas marre de me taper au visage? Oh! Holy... D'accord. D'accord. Et là du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait échec? Comment ça marche là? Ah, j'arrive à temps? Le mec m'a démoli en fait, enfin. Ah oui, c'est un boss carrément, et... Oh, les HP! Ok. Ah oui, d'accord. Parce que je peux pas le contrer lui en fait. Ok, faut jouer. Faut jouer sur le fait qu'il y a... qu'il perd l'équilibre. Ah
Pas trop gourmand, pas trop gourmand. Pas trop gourmand. Ok, c'est stylé, il y a des petits boss. Ok. Critique. Ok. J'ai plus de couteau. Hein. J'ai plus de couteau déjà. Oh merde, j'ai pas vu. Oh, j'ai pas vu. Got him, coach. Wouh. Waouh. Ok. Du coup, je veux quand même un peu de farine. Ok, et ça, ça serait cool que ça devienne chez nous, en fait. Ah bah... Ça a l'air. Ah non, c'est un autre bâtiment. Ouais, non, c'est un autre bâtiment. Ok. Ah bah du coup, maintenant, ouais, on s'en fout. Hein. Peut-être fermé quand même, au cas où. Ok. Ah, stylé, les petits... petits boss et tout. Ah, c'est pas mal de voir la barre de vie comme ça. Enfin, j'allais dire, comme ça, on sait que c'est un boss, mais... C'était plutôt clair, mais... On sait que c'est un truc important. Ça me dérange pas. Du coup, ouais, je vais aller prendre le comment ? La cabane. C'est un peu comme sur Skyrim, j'ai... Enfin, sur Skyrim, pour le coup, j'ai les barres de vie. Mais pour les boss, c'est une barre, une grande barre en bas de l'écran, pour vraiment montrer que c'est un boss. Genre tous les gens qui, par exemple, un chef de bandit à un endroit, bah, sa barre va être un peu plus grosse et tout. Ça donne un petit délire à... J'allais dire un petit délire RPG, mais c'est un RPG, mais... Ah oui, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais attendez, mais il était si loin, le bâtiment ? Ah ouais, il faut quand même zoomer pour se rendre compte des trucs. Ah, il y a un truc là aussi. Emplacement inconnu. Il y a la cabane, là. Ah. Peekaboo. Quoi ? Parle pas, moi. Hi, Sarah. Elle a une autre histoire à raconter, ou... Ah ouais, mais non, du coup, comme je suis mort... Hein. Ah, c'est dommage, en vrai, mais... Ça m'a surpris qu'il... Ouais, bon, ça, c'est complètement bugué. Hein. Oh, nickel. Ça, c'est complètement bugué, hein, cette animation. C'est dommage, hein. Mais bon, c'est des one. Enfin, des tout. Là, quand vous tombez sur des ennemis, donnez-leur un puissant coup de pied. Bah, ça me plaît. Hein. Paf. Ah ouais. Esquivez au bon moment pour désorienter votre ennemi. Ah ouais? Ah genre il est tellement choqué. Ah ça peut être pas mal ça en vrai du coup. Mais le coup de pied c'est quand même rigolo. Hein. On va pas se mentir que... Ok. Impeccable. Du coup c'était ce bâtiment là. Et celui-là juste à côté. Il y a plein de trucs là. Non c'est celui-là. C'est ouvert là? Ah ouais. Mais du coup je peux vraiment pas y aller de... Si, je peux y aller de jour, c'est juste que... Ah oui, revenez plutôt la nuit. Ouais, mais... En vrai, bah les couilles. Si je fais gaffe. Oh putain, là. Pourquoi ils mettent vraiment un warning Ils ont pas l'air d'être nombreux, en vrai, hein. Ok. Ah ouais, mais le problème... Ok. Bon. Vous voyez, je suis pas encore trop rassuré hein, dans les dans les intérieurs, mais ça va venir. Mais lui, il a l'air bizarre. Enfin, déjà, il est debout. Oh putain. Ouais, par contre, on se fait vite rattraper. Hein. J'ai entendu des humains, là. On va plus prendre ça. Ah ben voilà. Ouais. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais me pousser dans les pics. Attends, c'est quoi, il y a un zombie là. Mais viens là. Voilà, ta grand-mère. Oh putain, le corps de son pote là. A empêché la... Derrière toi, eh oui. Ah, c'est trop bien.
Ah, c'est trop bien de pouvoir se servir du décor et aussi des zombies, quoi. C'est chacun veut sa part du gâteau. Hop. Donc c'était ce bâtiment là. Je vois pas d'entrée. Non, c'était plus là-bas. Hein. C'était plus celui-là, le point d'interrogation. Hop. Il va surtout falloir que vite que je retourne au camp. Ah bah c'est ça. La planque est là. Parfait. Parfait, parfait. Ah mais... Juste ici là, c'est là où on dort? Non. Non, c'est en dessous. Parce que je vois qu'il y a un lit, mais je pouvais pas... Repos. Je pouvais pas interagir. Ah ouais, si, c'est ça. Non, c'est en dessous. Non, c'est en dessous. Attendez, je comprends pas. S'il y a pas d'interaction. Réparer un générateur. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, il faut activer le... Ok. Ok, j'ai. Descendre là. Ok. Wow. Oh wow. Ah, c'est chaud là quand même. Bon, ça va être très buggé, mais bon. Au moins, je sais que je vais les one-shot comme ça, quoi. Ouais, à mon avis, je peux pas le faire parce que c'est pas mon level, en fait. Je pense que si j'étais de mon level... Ah oui, lui, il est mort du... Si j'étais de mon level, il y aurait pas de soucis, je pourrais les étrangler. Ah, là, c'est un peu plus compliqué, quand même. Ah, faut vraiment qu'il soit droit, quoi. Que ça soit cohérent, l'animation. Mais bon. Il y a tellement de monde. Et du coup, c'est un peu simple de faire comme ça, quoi. Parce qu'il y a vraiment aucun malus, quoi. Il y a vraiment aucun malus, quoi, à part voir une animation dégueulasse. Mais c'est tout, quoi. Ok. Vite. Il va prendre feu. Okay. Wow. Reste au sol. Attention quand même, attention. Pas se laisser encercler trop. Ok. 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 Ah non. Ah si. Ah, c'est si sanglant. Ok. Fais gaffe avec le timer. Bon, ouais, je pense que le timer, je vais le laisser, quoi. Ce sera bien plus agréable. On sert à te relever, hein. T'as plus de pied. N'essaye pas. Il a fait ragdoll son pote, quoi. Il y a 2 minutes. Et après, il faudra que je cours. Quelle heure il est là? 18h27. Oh oui, c'est peut-être technique là. Oh, il y a des gens. Il faudra que je cours à l'église. Sans s'arrêter. Ouais, il faudra que je... Je retransmette ça, parce que je suis sur leur Discord, du coup. C'est le seul moyen de voir les... De voir les mises à jour. Enfin, ce qu'apportent les mises à jour. Et du coup, je leur transmettrai que les animations... Les animations sont un peu buggées. Ok. Oh wow. Ok. Dépêchez-vous là, j'ai plus d'immunité là. Voilà. Voilà. Voilà.
T'es pas mort, hein? Putain la vache. On est juste reset moi. Ok. Si simple que ça. Ah, faut que je me dépêche. En vrai, c'est risqué. Après, de toute façon, je pourrais dormir là. De toute façon, je suis con. I've got you now, motherfucker. T'as rien du tout. T'as rien du tout, frérot. Putain, les mecs, ils m'ont entendu d'en bas. Ils m'ont traqué dans tout le bâtiment, en fait. Hey, mais what the fuck? Catch this! Over here! Ok. Oh, les traînées du... Ok. Donc, par contre, les mecs, quand ils dorment, ils dorment. Hein. Jure, j'ai fait ça pour rien. Il déconne. Ouvrez. Tu déconnes. Il y avait aucun intérêt à faire ça. Ah, ça se trouve c'est lié à une mission ou... Et là, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ça, on peut pas l'ouvrir. Ah, j'ai rien oublié, hein. Ok, bon, ben voilà, ben... Vous savez que ça sert à rien de faire ça. Ou alors c'est peut-être pour plus tard, je sais pas, mais... Un peu bizarre. Je vais noter la zone. C'est bizarre qu'il y ait rien à faire... ici, quoi. Et, du coup, ça va être la course à l'église. Du coup, qui est absolument tout droit. Littéralement tout droit, ouais. Il y a une base sur la route, ouais. Allez, c'est parti. Ouh. Bon, en tout cas, c'est bien kiffant. Un peu frustré là d'avoir perdu tout un truc pour rien. Enfin, après il y a quand même de l'XP quoi, donc c'est pas non plus. Oh putain. Ouais, par contre, ouais. Faut faire gaffe à pas qu'il y ait de hurleurs. C'est pas pour rien parce qu'on a quand même de l'XP, mais j'aurais préféré avoir des petites récompenses quoi, qu'on me dise, hey, ce que t'as fait, ça a servi quoi. Ok. Ah bah c'est l'autre camp ça, non? Là, je peux là ou pas? Non, je peux toujours pas. Oh! Oh si, ça l'a tué! Ah, par contre, c'est des excités. Des excités du vocal. Ok, doucement. C'est pas la meilleure arme, ça. C'est pas du tout la meilleure arme. Ouais. C'est pas du tout la... C'est tellement pas... Pas rapide. Ok, d'un de moins. Elle descend. Et alors papa. Oh waouh. Waouh. Non. Non. Oh. Ok. Oh la vache. Oh, j'ai cru il allait me finir quoi. Oh la vache. Oh, j'ai glissé là, j'étais en full panique là sur le truc. Bon, ça fait des trophées. Bonne chance à toi, hein, celui qui crie là. Intermédiaire, oula. Là, je me demande si ça arrête le jeu, ça. Ou si on peut se faire attaquer quand on fait ça. Hop. Bon, bah, la première nuit, hein. Première nuit plutôt sympathique. Wouh. Ok, c'est stylé, ça. Bon, faut que je fasse attention, quand même. Monsieur? Oh merde, c'est un zombie. Y'a zéro monsieur, hein. Ouais, y'a zéro monsieur, en fait. On se barre d'ici, en fait. Ouais, les toits, ils sont zéro sécurisés, hein. Enfin, la journée, quoi. C'est ça qui manquait au 1, c'était des dangers sur les toits, quoi. Du coup, ça a été ajouté. Ok. Ça, c'est l'église. Ah, bah là, c'est une base d'ailleurs ici.
Hop, on peut descendre tranquillement là. Oui, il y a un hurleur. Est-ce que je peux faire ça? Et ça? Ici, c'est une base. Oh putain, j'ai failli me briser la nuque. Mais je sais pas s'il y avait de l'UV là. Si, c'est sûr, c'est une base. Ou pas. Ah, il n'y a pas d'UV. Jure. Après, là, je suis pas loin. Hein. Oh putain. Moi, je suis pas loin, mais en vrai. Je vois qu'il y a un truc là-haut. Je me fais backseat là. Bon, ça a l'air si loin. Ouais, par contre, je me fais backseat, mais faut que j'ai l'énergie pour y aller, quoi. Après, j'ai les champis, c'est vrai. Si jamais. Ok, régène un peu. Ok. Ok, ok. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Je peux pas. Ok, il faut vraiment glisser. Si, je peux le faire, ça, parce que j'ai pris assez normalement. Ok, ok. Allez. Allez, plus vite que ça. Allez, allez, allez. C'est où? Ok, là-dedans. Vite, vite, vite. Ok. Oh, c'est stylé. Ah, c'est intense en vrai. Ok, ok. Y'a des goodies là? Vous entrez dans une zone interdite. Ouais. On va peut-être pas faire ça maintenant. Hein. Parce qu'à mon avis, il y a des dingueries. Hein. Ouais, à mon avis, il y a des dingueries. Moi, je veux juste retourner à l'église. Hein. C'est mon objectif. Et ça sera bien suffisant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un conteneur aussi. En vrai, je suis pas loin là. Il est où? 14, 13, 11. 13, 14, 17. Ok, ça en va là. Qu'est-ce que c'est ce logo là? Ah, mais il y a un Minecraft en bas là. Ok. On ira chercher ça de jour. Parce qu'on prend beaucoup de hauteur, donc le plus chiant après c'est de redescendre quoi. Là je sais pas par où redescendre là. Jure. Oh il y avait un hurleur. Oh ok mais trop stylé. J'ai cru que j'allais me briser la nique mais what? Pourquoi je reconnais pas alors que je suis censé reconnaître? Ah non, c'est de l'autre côté. Ok. Je peux pas scanner? What? Je peux plus scanner? Pourquoi? Parce que je suis faible? Il y a le délire d'immunité ou... Je peux plus scanner. Ok. Oh what? Oh, y a plein de doutes là, bah oui. J'y vais là-haut. Pourquoi je fais... Non mais je fais ça de jour en fait. Pourquoi je vais faire ça maintenant? Y'a rien à prouver là. Ok. Ok. Wow. Ok. Vas-y, prends un peu de hauteur là. Ok. Ok, j'y suis. Non, ça c'est chez le mec ça. Ok. No, pas du I tout. Take you there. We're in the middle of school right now. No field trips. Here, maybe this studious looking young man will help. Ok. Vous permettez si je respire un petit peu dehors là parce que. C'est technique quand même. Ok, je suis loin de l'église là. Ok. Alors faisons les choses dans l'ordre, rentrons à l'église. Je reviendrai, messieurs dames. Faisons les choses dans l'ordre. Ok. Faut que je repère aussi les trucs où je peux sauter sans. Putain, ils sont partout. Ok.
Allez, on se casse de là. Hop. Ouh. Let's go. Let's go, baby. Ok. Waouh. Oh la dingue, ça. Bon, bah, je peux lui dire que j'ai trouvé le coupable. Aiden, tell him. What's going on? Bevan's husband is dead. Non. Julian's been accused of murdering him by poisoning his water. Aiden, please, tell them it wasn't me. Ah bah je peux le confirmer, hein. Julian is innocent. A viral fell into his supplier's storage tub. The guy drunkenly sold Julian contaminated water. It wasn't a murder. You'd swear to that before the Bizarre Council? Yeah. Where's that supplier? He's going to stand trial in... Marco... is dead. I killed him. And my job here is done. It's okay. I forgive you. That scum Marco got what he deserved. Thank you, Aiden. Half of my flour is yours. Nice. Yeah, the flour mixed with plaster? Huh? No. Where'd you hear that? Oh, yeah, so once, but yeah, you know, it... Do you ever have a dream about you? Oh merde. Mais ça a l'air important du coup la farine là. C'est vraiment de la farine hein, qui donne. Hein. Kit de soins militaires. Oh. Je sais pas. Faites voir un peu à quoi ça sert. Parce que ça a l'air d'être une dinguerie en fait. Si on risque sa vie pour de la farine. Oh, je vois pas le truc qui ressemble à de la farine, non. What? C'est dans quoi? Farine. Ah, c'est pour vendre, du coup. Ok. J'ai pas mal de trucs, en vrai, là, déjà. Ouais, du coup, ça, c'est vraiment des trucs à vendre, quoi. Et vous savez quoi? Je vais vendre ça. Parce que je crois que personne dort. Et on va tranquillement passer la nuit. Ça aurait été une... Ouh, une journée riche en émotions, hein. Putain la vache.